19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu Malheur as Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur. Il ne veut pas être riche, il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu me toucher? Et lui adresser la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis. Et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez, et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Oh, maître, guide nos pas. Nous avons besoin de toi, maître.